Ce lombric qui s'agite au creux de la main fait partie des plusieurs milliers de vers de terre qui décomposent jour et nuit les déchets organiques d'Alan Le Gélou. Ce jeune Parisien de 30 ans habite en appartement, pourtant il fait du lombricompostage depuis 5 ans. Et il le jure, c'est sans odeur et ça n'attire pas les rongeurs à condition de respecter quelques règles de base. Pas de viande ou de fromage, pas de restes de plats cuisinés, juste des épluchures, des sachets de thé, des fleurs fanées ou encore des coquilles d'œufs. Le tout avec un zeste de ce qu'on appelle de la matière sèche. Les épluchures contiennent 60 à 70% d'eau. Donc on va mettre un peu de carton et de papier pour absorber l'humidité. Pour 2 kg de déchets par semaine, Alan obtient entre 200 et 400 g de compost, ce qui lui permet de récolter 10 à 20 kg tous les 6 mois. Donc à cet étage-là, on a du compost qui est mûr. Et en plus du compost, Alan récupère ce qu'on appelle le thé des vers, véritable bombe de nutriments, de minéraux et d'oligo-éléments pour les plantes. Voilà, donc ça c'est l'engrais liquide qu'on va diluer dans 10 volumes d'eau pour arroser. Voilà, donc vous voyez, c'est rapide, hein. 10 minutes, je leur ai donné à manger, je leur ai pas dit bonjour à chacun, mais j'ai regardé que tout allait bien. Véritable précurseur en matière de lombricompostage, Alan voit les mentalités évoluer et les consciences écologiques se réveiller, même si pour le moment, ça reste un épiphénomène. Quand j'en parlais il y a 5 ans, on me regardait avec des grands yeux. Hein. Celui-là, il est fou avec ses 2000 vers dans sa cuisine. N'importe quoi. Bon. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui voudraient venir voir comment ça marche. L'impact est réel. Alan a diminué de moitié le volume de ses déchets organiques. En plus du tri sélectif pour recycler verre et papier, le compostage permettrait d'alléger les poubelles en moyenne de 70 kg par an et par habitant.